Chanel, Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour toutes les personnes du signe zodiaque Scorpion, inclus les 11 autres signes zodiaques qui restent. Ok? Vous pouvez avoir votre Scorpion en votre signe ascendant, lunaire, Jupiter, Vénus. Je ne suis pas astrologue, je suis divinatrice. Mais on va commencer votre lecture. Voyons voir ici quel message j'ai pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, s'il vous plaît. Partagez mes vidéos, laissez-moi tout plein de commentaires, laissez-moi des cœurs, des trèfles, des diamants, des couleurs, laissez-moi tout plein de couleurs. Ok. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui se passe ici avec les scorpions? Les scorpions, vous êtes parti dans vous, il est probable que vous êtes ici carrément intéressé à une nouvelle personne, intéressé à un nouveau partenaire. On a ici quelqu'un qui vous a carrément tapé dans l'œil. Ok, c'est peut-être ici une personne qui est plus jeune que vous. C'est peut-être ici une personne qui est très sexy, très belle. You know, c'est sûrement aussi une personne que. Disons, c'est sûrement une personne qui vous a tapé dans l'œil le jour où la personne était en rouge, robe sexy moulante rouge. Si ce n'est pas une robe sexy moulante rouge, c'est que c'est peut-être une robe sexy moulante orange, machin, quelque chose comme ça. D'accord? Mais on a ici quelqu'un qui vous a vraiment tapé dans l'œil. Pour passer dans vous, j'ai l'impression que vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. Vous voulez carrément revoir cette personne, vous voulez être avec cette personne. Pour d'autres, il y a de fortes possibilités que vous soyez ici connecté à une célébrité. On a ici quelqu'un qui est carrément une célébrité. On a peut-être aussi quelqu'un qui est... on a peut-être ici quelqu'un qui est Miss. On a peut-être quelqu'un qui est Miss. You know, top model. Quelque chose comme ça. Vous êtes sûrement très attiré par la beauté de cette personne. Il y a de fortes possibilités qu'il y a quelque chose qui vous bloque de cette personne. So, oui, c'est la partie d'entre vous. La femme dont vous êtes amoureuse, l'homme dont vous êtes amoureuse, c'est quelqu'un avec qui vous avez carrément perdu contact. Il y a carrément ici un blocage qui vous empêche de rentrer en contact avec une personne. Pour certains, si ce n'est pas un blocage qui vous empêche de rentrer en contact ici avec une personne, c'est que c'est carrément une interdiction. Il y a peut-être ici une interdiction. Vous avez été interdit de rentrer en contact avec quelqu'un. Ok. On a peut-être un numéro qui a été bloqué, un compte qui a été bloqué. On a peut-être aussi quelqu'un, bon, qui n'est plus sur les réseaux sociaux. Il y a ici quelque chose qui se passe. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui vous cache une grossesse. On a ici quelqu'un qui vous cache une grossesse. On a ici quelqu'un qui vous cache qu'elle est tombée enceinte de quelqu'un d'autre. Si vous avez carrément ici perdu le contact d'un ancien amoureux, d'une ancienne amoureuse, elle est partie tomber enceinte là-bas. Ok? So, on a ici quelqu'un qui vous cache... qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre. C'est peut-être ici une vérité que vous allez trouver en cherchant, trouver en fouillant. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous êtes ici à la recherche d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est peut-être ici une personne qui a un très joli dos. Un très joli dos. You know? C'est vraiment aussi que c'est ce genre de robe là qu'elle aimait porter. Un très joli dos. Vous voulez ici revoir une personne. Vous voulez ici reparler à une personne. Mais on a une réconciliation qui est très compliquée. Une réconciliation qui est très complexe. Une réconciliation qui n'est pas possible pour l'instant.
Pour une autre partie d'entre vous, il y a de fortes possibilités que c'est ici une personne que vous aviez négligée dans le passé à cause de quelqu'un d'autre. So, dans la période où vous et cette personne, vous étiez censés sûrement vous mettre ensemble, il y avait aussi quelqu'un d'autre dans la photo, il y avait quelqu'un d'autre qui vous intéressait, il y avait quelqu'un d'autre avec qui vous vouliez avoir une certaine relation, quelqu'un d'autre avec qui vous vouliez avoir une certaine connexion. Donc, vous avez négligé une autre personne, vous avez négligé une autre femme. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui vous courent après. Si vous êtes ici une femme, sûrement que vous avez ici affaire à un Don Juan. Vous avez sûrement ici affaire à un Don Juan. Mm-hmm. On a plein de femmes qui le veulent, plein de femmes qui veulent être avec lui. Pour d'autres, peut-être même que vous ne saviez pas que le partenaire qui vous intéressait dans le passé, la personne aujourd'hui qui est carrément bloquée, la personne aujourd'hui qui n'est plus avec vous, vous ne saviez pas que cette personne a été impliquée dans différentes relations sexuelles avec différentes personnes. Et c'est ici quelque chose que vous êtes en train de réaliser. Pour certains, vous avez ici le retour d'un ex. On a un ex qui veut carrément revenir dans la photo. On a un ex ici qui veut recommencer tout à zéro avec vous. Pour nos parties, donc vous avez carrément aussi ici quelqu'un qui veut être intime avec vous. C'est ce qu'il a toujours voulu. On a peut-être aussi ici quelqu'un qui est carrément obsédé de vous. Son envie de vous l'oblige à revenir. Et pourtant, vous allez bloquer cette personne. Pour d'autres, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez attrapé en train de vous tromper. Vous l'avez attrapé en flagrant délit d'infidélité. Il veut revenir. Et vous ne savez plus vraiment quoi faire. Si vous êtes ici une femme, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de compétition ici pour un homme. Il y a beaucoup de compétition ici pour un homme. On a ici un homme qui ne vous dit pas vraiment toute la vérité. On a peut-être ici un homme qui utilise son statut social. On a peut-être ici un homme qui utilise... sa beauté, ces choses comme ça, pour attirer plein de femmes ici vers lui. Vous savez qu'il y a beaucoup de compétition ici pour un homme, mais vous vous battez quand même ici pour l'avoir. C'est peut-être un ami d'enfance, quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance, quelqu'un avec qui vous avez l'impression d'avoir créé une meilleure affinité comparée à ces autres femmes-là qui sont intéressées à lui. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici impliqué dans une relation moitié amie, moitié amant. On ne sait pas où ça s'en va. Aujourd'hui, je suis ta copine. Demain, on n'est que des amis. Après-demain, on est intime ensemble. Le lendemain, c'est bisous sur la joue. Ok? So, il y a ici aussi une situation que vous traversez apparemment avec... comment ça s'appelle? Un partenaire. Parce qu'on a ici quelqu'un qui ne veut pas commit. Je vois ici quelqu'un qui ne veut pas commit, quelqu'un qui ne sait pas comment devenir sérieux dans une relation. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui sort avec deux femmes, deux amis en même temps. On a ici quelqu'un qui est très cachotier, qui ne dit pas la vérité. On a ici quelqu'un qui gère deux personnes en même temps et qui ne veut pas avouer la vérité. Sauf pour une autre partie, vous vous risquez ici d'apprendre que votre plus grande rivale est carrément votre meilleure amie, que votre plus grande rivale est carrément Akissi ou encore Françoise.
Oh, en face. Mm-hmm. C'est là-bas. Ok. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de cette vidéo. Merci pour tout. Bisous et bye bye.